Il est vrai que l'on a moins de netteté lorsque la victoire est passée. Plusieurs situations de la vie de tous les jours peuvent nous le montrer. C'est une citation qui a donc été prononcée par Pierre Corneille. Il faut souvent avoir été mis en péril. C'était investi, c'était imposé, une discipline. Et ça va parfois du traverser le désert. Sinon, la gloire est enfermée dans ce cas. Cette citation de Nouvelle est toujours de mise aujourd'hui. Et merci. Bonjour. Avec son péril, en priant son gloire. Il est vrai que l'on a moins de mérite lorsque la victoire est trop facile. Plusieurs situations de la vie de tous les jours peuvent nous le montrer. Lors d'un examen, si nous trichons, peut-être serons-nous. Notre examen, mais avec moins de mérite, il ne l'avait pas triché. Notre autosatisfaction sera moindre que ceux qui ont réussi. Prendre des risques peut-être nous aider, mais cela peut également. Vous connaissez le son de la victoire? La victoire, reconnaître la difficulté et les situations peut-être faciles, parfois peut-être dangereuses. Par exemple, nous voulons le succès et notre devoir est la diligence. Mais cette diligence doit être les efforts que vous faites. Merci, Colégiale. Premièrement, les avant tout, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà senti du coup, en éclairant le renommée de quelque chose qui s'est passé sans faire? Évidemment non, et c'est ce que je vois déjà dans les yeux de la plupart d'entre vous. Pour éclairer le renommée de n'importe qu'est-ce que ce soit, on doit tout d'abord se combattre et avoir des blessures, et surtout de ne jamais être plus baissé ses mains. Et finalement, pour que finalement tu pourrais arriver, être fier et trouver du coup dans ce que vous voulez, et faire une victoire éclatante. Et comme on dit dans un autre proverbe ainsi que le nôtre, on n'acquiert pas le renommée sur un nid de plumes. Et finalement, mes forts remerciements à notre chère professeure, Madame Zaïda Kouzbi, qui nous a permis d'être ici et qui nous a allumé une bonne bougie pour donner que du meilleur. Et je tiens à vous remercier pour notre public. Vous étiez un auditeur très très attentif et vous avez rendu notre tâche très agréable. Et bon chance à tous les candidats. Aujourd'hui, je vais donner mon point de vue de la proverbe « Un vainqueur sans péril en triomphe sans gloire ». Je suis d'accord avec cette proverbe parce qu'il y a plusieurs raisons. Je vous donne d'exemples. Le premier exemple, quand tu triches dans l'étude et tu apportes une bonne note, tu ne sais pas le goût de la Russie. Mais quand tu ne triches pas dans l'étude, et tu apportes une bonne note ou une mauvaise note, tu sais le goût de la Russie. Le deuxième exemple, quand tu prends ton droit et les droits des autres, tu vas être heureux la première fois. Mais à la fin, tu vas être malheureux parce que tu vas sentir de remords. Mais quand tu prends ton droit tout seul, tu vas être malheureux la première fois. Mais à la fin, tu vas être heureux parce que tu ne sentis pas de remords. Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas dire parce qu'on ne va pas finir. L'importance, la victoire, et c'est sûr qu'on n'aura pas de gloire et on ne se sentira plus sa valeur. Merci. Je suis totalement d'accord avec l'auteur de cette idée, car la vie demande le travail, le courage et surtout la patience. Ainsi, la personne telle, un sportif, doit chercher la difficulté dans la vie afin de développer cette capacité et non pas la fuir. En plus, cette même personne doit aussi veiller à l'entraîner pour mieux mériter sa gloire. Donc, la difficulté et l'entraîner sont présentes dans ce proverbe-là, comme de valeurs majeures indispensables à tout réussite véritable. Sinon, même si on réussit dans la vie, ce sera un demi-réussite. À mon avis, il n'y a personne dans tout le monde qui réussit sans faire des efforts et réaliser ce qu'il rêve depuis sa jeunesse. Merci.
justement tous les obstacles qui se sont levés sur votre chemin pendant que vous cherchiez la victoire. Plus ces obstacles sont moins, le succès sera géant. Toutefois, et pour cause, toutes les réalisations de ce monde se sont faites avec difficulté. Toutefois, باش هو يخاف من الحضور راك خرجتيه واحد
الشخصية ديالو اللي نتايا كتعرف الدماغ ديالك نتا ربعين خصال حنا كنشوفو الشيء اللي كيدير في الميم بالعينين ديالو إذا كان مثلا كيس اليوم هادي يعرفو كيخاطر راه كيحس بواحد الإحساس آخر اللي ما كنحسوش به دونك بغينا نبنيو واحد الجيل ديال المستقبل نعطيو أهمية بزاف للأنشطة اللي ديال باراسكوليك الأنشطة المدمجة أقول لها الأنشطة المدمجة بحال الشيء اللي كنمشيو به ماشي الأنشطة الموازية من خلال تجربة ديال 33 سنة مع تلاميذ دوني كلوسكولا جيان كلوسكولا ديال السينما التربوية اليوم الصباح كنا كنعرفوا الأشرطة التربوية في الثانوية العليا واحد النهار و الوقت اللي كتعطي التوني كيتخدم الصورة والصوت تيكون واحد اخر عطيه التباشر الصورة غادي يديها ليك هو صباح اليوم تيميل ديال الصورة والصوت وهادشي اللي كنديرو اليوم انا كنشوف الاغلبية كان كنعلمو البورطابات كنعلمو التليفونات كيسجلو داكشي اليوم بنين غادي يهضر عليه وربما هادشي اللي بدات المسابقة يعني غادي يطلق المؤسسة صمامة وجوج اخرين هما كيهضرو عليه دير الدرس بالورقة الطواشي الصبورة ما غاديش نعلم ولكن واحد 80% راه ما داوهاش فيك بعبارة أخرى فكروا كيفاش نخرجوا هذا الكتاب ما نبقاوش داخل بعض الحيوط نشحنوا المقررات هذيك المقرر هو واحد المجموعة ديال النقط خصو يتبع هذا الكلام باش يكون في واحد الامتحان واحد لابيرو ولكن ماشي هذا هو هذاك هو التهديد او لو انك الانسان اللي كنبني له واحد الوقت الجاي حنا كنعرفو ومازال كيعرفوش ولكن حنا اللي غادي نبنى برافو الاستاذ اش اللي دار اليوم يعني حسدو انه كيخاطبونا حنايا في الرجل 40 سنة 45 50 ولكن هو عنده واحد الاحساس ما عمره غادي ينسى مع الاستاذ وربما انا اقول إلا كان اللقاء أحسن هو اللي تخدمو بواحد الصورة اللي تكون ذكريات مع الأستاذ ديالو ومجموعة وشكرا لكم على الحسنى.